Ça fait maintenant 10 jours que je suis sur l'île Maurice et voilà, 10 jours vraiment exceptionnels. Je pense que ce que j'ai trouvé fantastique cette année avec le fait de combiner un séjour à l'hôtel et l'OSTC, c'est les contrastes que j'ai pu rencontrer sur cette île, des contrastes vraiment fantastiques. Le fait de, par exemple, courir à VTT sous la pluie, puis retrouver en fait des conditions très chaudes sur le bord de mer. Un contraste aussi exceptionnel avec le fait de trouver des plages de sable fin et ces magnifiques falaises de Le Souffleur dans le sud de l'île. Vraiment magnifique, une mer un petit peu démontée, déchaînée et vraiment impressionnant quand on arrive sur cette côte. Ici est Narazwa, l'ambiance hyper qualité. C'est un qui a misé, manière il y tient voudrait. Jolie décoration fait briller, jolie jolie ballon. De belles rencontres avec les Mauriciens le soir au bivouac. Des rencontres aussi magnifiques avec des étapes où on a pu croiser des cerfs, pas mal de gibier aussi dans la forêt mauricienne. Pas mal aussi, vraiment surpris par la montagne. Et je pensais retrouver sur l'île Maurice plutôt une île plate et des profils assez plats sur les épreuves de VTT. Et finalement, on se retrouvait avec pratiquement tous les jours 1000 mètres de dénivelé et ça rendait la course encore plus difficile. Belle partie de manivelle aujourd'hui. Un Julien qui s'est bien accroché et puis une belle deuxième place finalement sur un circuit qui était vraiment agréable à rouler avec un peu de glisse et belle descente, belle montée, parfois quelques beaux points de vue, parfois c'était un petit peu difficile de regarder le paysage avec des nombreuses facs, mais non, en général on s'est bien fait plaisir. Vraiment exceptionnel aussi cette étape qu'on a rencontrée avec la fameuse montée des camphriers avec pratiquement 800 mètres de dénivelé avec des pourcentages allant jusqu'à 20%. Donc je pense des étapes bien complètes. Cette année assez humide aussi, donc ça a rendu la course encore plus difficile, encore plus glissante. Pas mal de racines, pas mal de pierres glissantes. Fallait être un bon pilote, physiquement il fallait être aussi bien préparé. Quand la fête est finie, nous tout bouger au réfort. Et comme cet espoir qui n'espérait mettre ça plus tôt. Tous les participants ont trouvé beaucoup de plaisir sur ces différentes épreuves. Je pense que c'était un beau circuit, bien complet. Et en tout cas, moi ça m'a bien plu et vraiment content d'avoir participé à cette épreuve. L'OSTC s'est terminé hier, on a la chance aujourd'hui d'être une journée sur l'île des Deux Cocos. Une île vraiment exceptionnelle avec une réserve naturelle, des poissons fantastiques à côté de moi. On a pu plonger ce matin au milieu des poissons, vraiment fantastique. C'est vraiment un mini paradis, un petit coin de paradis et exceptionnel. À chaque fois, il y a une chauffage en dents dans mon laté. Tu pas faire la musique, mais tu es un petit trick. Parfois, mon croix, tu fais magique. Avec juste un sourire, tu calmes.